Good morgen, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui, le Nishmat, Mori Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Nahouda, Sarah Batrana Rachel Shlomo Ben Esther, Erisha Bat Chaim Nechemia. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Sfachim, Perek Aleph, Mishnah Dalet. A Pesach Ve'achatat Sheshchatan Shelo Lishman, Kibel Ve'ilech Ve'zarak Shelo Lishman, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולים. כיצד לשמן ושלא לשמן? לשם פסח ולשם שלמים. שלא לשמן ולשמן, לשם שלמים ולשם הפסח. שהזבח נפסל בארבעה דברים, בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה. רבי שמעון מכשיר בהילוך, שהיה רבי שמעון אומר, אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה, אבל אפשר שלא בהילוך, שוחד בצד המזבח וזורק. רבי אליעזר אומר, או יונה קידיס, כי בדיר פלוטו רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר לפי זה רבי שמעון נופת, המהלך במקום שהוא צריך להלך, המחשבה פוסלת. ובמקום שאין צריך להלך, אין המחשבה פוסלת. Et on va commencer d'abord par expliquer le principe de la Mishnah à l'oral, presque entièrement en fait, et après on va redécouvrir ça dans les mots, ce sera beaucoup plus facile. En fait, on va en fait conclure complètement le sujet développé depuis le début du chapitre, à savoir, on avait appris que lorsqu'on égorge, on va prendre le cas du khatat, ce sera la même chose avec le pessah, mais pour le moment on va parler avec le khatat. On avait appris que lorsqu'on égorge un korban khatat, shelo lishmo, le kohen pendant qu'il égorge, il s'imagine, il pense qu'il est en train d'égorger un korban ola, un korban hacham, il pense pas qu'il est en train de faire un khatat. Alors, le khatat faisait exception à la règle que le khatat shelo lishmo pasoul. Le korban, il devient invalide, il faut tout arrêter et le sortir au bet à des chaînes, aller en dehors du... c'est quelque part la gnisa, la poubelle, si on peut dire, des korbanotes. D'accord? Ça, c'est le korban, donc le korban khatat. La même chose avec le korban pessah, dans l'après-midi du 14, qu'on a fait au nom de quelqu'un d'autre. Pendant que le kohen, il est... Le kohen, en réalité, on n'est pas obligé de dire le kohen, il y avait même d'autres... Même Israël peut égorger un korban. On en reparlera dans le prochain chapitre. En tout cas, lorsque le Kohen il est en train d'égorger le Korban Pessah, il s'imaginait qu'il était en train d'égorger un Shlamim, et on lui dit, mais non, c'était pas un Korban Pessah, Shlamim, c'est un Pessah. Le Korban, il est invalidé lorsqu'on est dans l'après-midi du 14, à la différence de tous les autres Korbanot, comme ce qu'on apprenait depuis le début du Perek, que si j'ai fait un Shlamim au nom d'un Korban Hacham, il est kasher, on pourra consommer la chair, continuer à faire ses avodot, aller verser le sang sur le misbéach, brûler les parts relatives au misbéach, donner les parts au kohanim et au propriétaire et les ranger. Ça, c'était le rappel général. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé qu'on a égorgé. Il faut savoir qu'un korban, il y a plein de choses à faire avec un korban. Lorsqu'on apporte un korban, on égorge le korban, on prend son sang, on va le verser au misbéach. Après, on dépèce l'animal, on fait sortir certaines parts, on les fait monter sur le misbéach. On prend d'autres parts, on les donne à manger au kohanim. Selon le cas, on va prendre des parts, on va les donner aussi à manger au propriétaire. Dans toutes ces avodot que l'on peut faire dans le korban, une avoda, tous les services qu'on peut faire dans un avoda, c'est un travail. C'est tous les services qu'on fait avec tous les avodot qu'on fait dans un korban, il y en a en réalité. Il faut bien discerner qu'est-ce qui invalide le korban et qu'est-ce qui n'invalide pas. À savoir, concrètement, le korban, apporter un korban, ça implique de l'égorger, de prendre son sang, de le verser sur le misbéach. Dès qu'on a accompli ces mitzvot comme il se doit, on s'est acquitté du devoir. Je devais apporter un korban khatat, un korban hacham. Dès que j'ai apporté mon korban qui a été égorgé avec le sang versé au misbéach, je me suis acquitté de mon devoir, même si au final, eh ben, la bête... Dès que j'ai fini de l'égorger, il y a eu un chéret, un reptile qui est mort, qui a touché mon korban, il est devenu invalide. On ne peut plus le manger, on ne peut plus faire monter les parts au misbéach. Je me suis acquitté de mon devoir, à partir du moment où on a récupéré le sang, on l'a versé au misbéach. On apprend de là que l'essentiel, la avoda essentielle d'un korban, c'est récupérer le sang et le verser. Lorsqu'on va maintenant discerner combien il y a d'actions à l'intérieur de ça, on va réaliser qu'il y a quatre actions. Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. Shrita, c'est lorsque l'on égorge. Kabbalah, recevoir, on réceptionne le sang dans un ustensile. Holacha, c'est qu'on on apporte ce sang vers le misbéach pour aller le verser là-bas. Et Zrika, c'est lorsqu'on le verse, lorsqu'on l'asperge, plutôt, l'isrox est jeté, lorsqu'on l'asperge, selon les korbanot,
plusieurs manières de donner le sang sur le misbère. D'accord ? Il faut verser le sang sur le misbère. Donc on a quatre avodot. Le but de la Mishnah, il est simplement de nous dire que sache que ce que tu as appris depuis le début du Pérec, dans plein de situations, l'ishmo, shelo l'ishmo, en son nom, en pensant à quelqu'un d'autre et tout ça, je t'ai parlé d'égorger, mais il en va de même si tu as égorgé comme il fallait, mais après tu as mal reçu le sang, tu as fait la Kabbalah pas comme il faut, tu pensais que tu recevais le sang d'un shlamim, ou encore tu as égorgé, tu as bien reçu le sang, mais lorsque tu marchais, tu te dis ah, j'apporte un shlamim. Ou encore lorsque tu l'as versé, tu l'as versé, d'accord ? C'est le but de la Mishnah. Après, bien sûr, la Mishnah va entrer dans bien plus de détails sur ça, en nous disant deux points. Définir davantage c'est quoi égorger au nom de quelqu'un d'autre. Et désolé, on a un petit imprévu. Donc, c'est quoi égorger ? Vas-y, tu peux me passer, c'est pas grave. Et donc, on va définir c'est quoi égorger au nom de quelqu'un d'autre. Préciser qu'on peut soit égorger le korban au nom de quelqu'un d'autre, soit au nom d'un pessah et de quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre et d'un pessah. Et aussi préciser davantage, est-ce que oui ou non, ou de quelle manière, le fait d'apporter le sang sur le mizbeach invalide. C'est le plan de la Mishnah, d'accord ? Donc on fait tout ça dans les mots Bezrat Hashem. A pessah ve'achatat sheshchatan shelo lishman. Le korban pessah et le korban chatat que l'on a égorgé au nom de quelqu'un d'autre, en pensant qu'on était en train d'égorger un korban shlamim, ou un korban khatat, ou un korban hacham, ou un hola, ou ce que vous voulez, d'accord ? Ou encore, kibel, il a reçu le sang. Hiler, il a transporté, c'est comme la lechet halach, mais hiler, c'est la forme factitive. Donc hiler ou holich, il a apporté le sang sur le misbéach. Ou encore, zarak, il a aspergé le sang, il a jeté le sang sur le misbéach, chez l'olishman, en pensant à autre chose. Ou encore, lishman veshelo lishman. Il avait une double intention. Il pensait qu'il allait porter un korban pessah, mais qu'il était aussi en même temps un korban, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait le Kohen, qu'est-ce qu'il avait fumé ce matin-là. En tout cas, il était lishman, assour complètement, chez le Kohanim. Ils n'avaient même pas le droit de boire du vin, hein. Pour faire la voda, c'est possède, comme on apprendra plus tard. En tout cas, il était étourdi ce matin-là, ou plutôt cet après-midi, si on parle d'un korban pessah. Il avait deux intentions, lishman veshelo lishman. Je pensais qu'il faisait deux choses. Ou encore même chez l'olishman et l'ishman. L'intérêt de... Il avait au nom de quelqu'un d'autre et aussi au nom du korban pessah. L'intérêt de cette insistance dans les deux sens, c'est pour nous dire que ni que tu me dis que la première intention est l'essentiel, ni la dernière intention est l'essentiel. Il fallait le préciser de deux manières. Dans tous ces cas-là, psulim, le korban sera invalidé. Keitzad l'ishman et chez l'olishman. Comment est le cas où il pense l'ishman, veshelo l'ishman, en son nom et au nom de quelqu'un d'autre? La Mishnah va nous donner un exemple. Qu'est-ce qu'il pense exactement? Le shem pessah ou le shem shlamim? Il pense qu'il égorge à la fois un korban pessah et aussi un korban shlamim, qu'au pire il le mangera demain en tant que shlamim. Ou veshelo l'ishman, veshelo l'ishman. Comment se présente le cas de l'olishmo au nom de quelqu'un d'autre et aussi en même temps en son nom, qu'il a la double intention? C'est que cette fois-ci il fait le Shem Shlamim, qui est le nom de quelqu'un d'autre, ou le Shem Pessah. D'accord ? Le principe est très simple. Et la Mishnah conclut maintenant le principe en nous disant Sha'azevach nifsal be'arba'a devarim, bashrita ou bakiboul ou bailuch ou bazrika, car le zevach, le sacrifice, il devient invalide be'arba'a devarim, par quatre avodot, quatre choses, quatre étapes, qui sont bashrita, lorsqu'on l'égorge, bakiboul, lorsqu'on réceptionne le sang, bailuch, lorsqu'on apporte le sang, et Bazrika au moment où on le jette, on l'asperge. Jusque-là, la première partie de la Mishnah. Maintenant, on va découvrir deux avis, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ou Eliezer, qui vont donner leur avis quant à Holacha, le fait d'apporter le sang sur le misbéar, est-ce que c'est invalide ou non? Je vous le fais tout de suite à l'oral d'abord. Selon Rabbi Shimon, le principe au moins, selon Rabbi Shimon, le fait d'apporter le sang n'est pas quelque chose qui invalide le korban. C'est-à-dire, on est tous d'accord que, on va prendre d'abord un cas un peu extrême. Si le Kohen, il a reçu, il a récupéré le sang du korban, khatat, et il a commencé à le transporter, puis après il s'est arrêté sur sa marche, il a regardé le sang, il s'est dit, ah, sang de Hacham, je vais te jeter sur le misbéach. Eh bien, il ne rend pas invalide le sang. Pourquoi ? Parce que là, il n'a pas transporté le sang. C'est pas une avoda, il n'était plus en train de réaliser une avoda.
un service au moment où il s'est arrêté. On n'invalide que lorsqu'on fait une avoda, lorsque soit on reçoit le sang concrètement, on remplit le clé avec le sang, ou l'ustensile avec le sang, soit on va, on le transporte, ou on le verse. Mais si, en tout cas, au milieu, il s'arrête et il pense à autre chose, c'est pas une avoda. Donc c'est pas une avoda. Il peut penser jusqu'à demain qu'il est en train de faire un shlamim ou un sham, on s'en moque, ça ne va pas invalider le korban. D'accord ? Ça, c'est une notion admise par tout le monde. Rabbi Shimon vient et nous dit, ben, sache que le fait d'apporter le sang, c'est pas quelque chose qui rend invalide le korban. Pour quelle raison ? Il aurait très bien pu aussi égorger le sang à côté du misbéach directement, il va juste au pied du misbéach de l'hôtel, il égorge là-bas, il récupère le sang, il le verse tout de suite, il n'avait pas besoin de transporter le sang. De ce fait, Rabbi Shimon va dire, ben, transporter le sang, ce n'est pas un service, c'est pas une avoda qui est invalide. Et Rabbi Elazar, son fils, lui, il va nous dire, écoutez, ça dépend des fois. Transporter le sang, ça peut invalider comme ça peut ne pas invalider, ça dépend dans quel sens tu marches. Soit, tu es à 2 mètres de l'hôtel, tu égorges, tu commences à marcher en direction de l'hôtel, tu as fait 1 mètre, là, c'est invalide, parce que tu t'approches de l'hôtel. Mais imagine qu'après, pour une X raison, tu as voulu reprendre le sang et t'éloigner, et partir même 5 mètres en arrière, là, tu es en direction opposée, centripète d'accord, tu t'éloignes du centrifuge plutôt, au contraire. Tu t'éloignes du misbéach. Donc, là, en ce moment, tu n'es plus en train d'apporter le sang, tu es en train de t'éloigner du misbéach. Là, ça n'invalide pas. Quand, après, maintenant, donc, on se retrouve 6 mètres en arrière du misbéach, tu décides finalement de revenir. Depuis là-bas, même, tu recommences à te rapprocher vers le misbéach, ça devient une avoda. Hein, le fait d'apporter le sang vers le misbéach, là, ça invalide. À la différence, donc, ça nous fait 3 avis. Selon Rabbi Shimon, apporter le sang n'invalide jamais. Selon Chachamim, le premier avis, transporter le sang, peu importe dans quelle direction tu marches, même si tu vas faire un petit détour pour parler à ton copain, tu es en ce moment en train d'apporter le sang, tu es en train de faire un détour pour finalement revenir et le jeter sur le misbéach. Tout ça, ça s'appelle que tu es en train de faire une avoda avec le sang. Donc la mauvaise pensée, lorsque tu le transportes, invalide le korban. Et selon Rabbi Elazar, Eli Elazar ou Eliezer, il va nous dire, lui, ça dépend dans quelle direction tu marches. Si tu t'éloignes du misbéach, si tu reviens vers le misbéach, tant que tu vas revenir vers le misbéach, c'est invalide, dès que tu vas t'éloigner du misbéach. Alors là, ça n'invalide pas parce que c'est plus une avoda, tu fais le contraire d'apporter le sang. D'accord ? On fait ça dans les mots. Rabbi Shimon Omer, et Rabbi Shimon Marchir Bailour. Rabbi Shimon valide la mauvaise intention au moment où il apporte le sang. Pourquoi ? Shaya Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon avait l'habitude de dire, on ne peut pas apporter un korban, un sacrifice, si tu ne vas pas l'égorger, recevoir le sang et le jeter. À la différence, aval efshar shelo beilur. Par contre, tu peux apporter un korban sans avoir besoin d'offrir, d'apporter son sang. C'est-à-dire, si, de quelle manière? Shochet betzada misbeach vezorek. Si tu te restes à côté de l'hôtel, et là-bas, tu récupères directement, et dès que tu réceptionnes le sang, tu le jettes directement. Donc, tu n'avais pas besoin de transporter, d'apporter le sang. De ce fait, ce n'est pas une action qui est invalide, à la différence de Chachamim qui vont te dire, malgré tout, tu n'étais peut-être pas obligé, mais si tu l'as fait, ça devient un avoda. Rabbi Elazar Omer, celui qui dit Rabbi Elazar, c'est essentiellement Rashi. Lui, Bartenois, il dit qu'il faut dire Rabbi Eliezer, apparemment. Et ce que je rapporte, c'est Rabbi Keveiger, en fait, qui parle de ça justement ici. Il explique qu'on parle de Rabbi Elazar et pas de Rabbi Eliezer ben Shamua. D'accord ? En tout cas, concrètement, Rabbi Elazar Omer ou Eliezer, ils nous disent « Améaler bim kom shuutzeh l'aler » si il marche vers le lieu où il doit marcher, donc il est en direction du Misbéach, « Amarcha va poselet » là, la mauvaise intention va invalider le korban. Par contre, au bimkom chez En, tsarich l'aler, s'il va dans un endroit où il ne doit pas partir, on ne lui a pas demandé de partir vers là-bas, c'est lui qui a décidé de faire un petit détour par là-bas pour aller voir ce qui se passe, peu importe, là-bas, pourquoi il a décidé de partir de l'autre côté? En tout cas, dans un cas pareil, En, amarchava, poselet, la mauvaise intention ne va pas invalider le korban. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de aslacha kol tov, salam.